Pour 75, contre 27, abstention aucune. Alors, la motion est adoptée. Oui, il y en a plusieurs qui ont sûrement des petits yeux ce matin à Québec quand le projet de loi 15 sur la réforme de la santé a été adopté vers 5h15 à l'Assemblée nationale. Après 15 heures de débat, Alain, qui est sur place, l'opposition dénonce, Alain, la façon de faire du gouvernement. Oui, puis il le dénonce depuis d'ailleurs plusieurs jours. Là, on sentait que cette procédure d'exception allait arriver. Le gouvernement va faire des jours supplémentaires pour pouvoir continuer à analyser le projet de loi la semaine prochaine. Mais la finalité, il fallait que ça soit terminé vendredi prochain. Ils ont plutôt choisi de ne pas prendre ces jours-là et de faire le bâillon dans la journée de vendredi. Bref, il y a eu période de questions hier après-midi à 15h et les travaux ont débuté vers 18h30 pour se conclure à 5h15, vous venez de le dire. Pourquoi 5h15? Ça aurait pu être beaucoup plus long que ça. Là. On aurait pu se rendre jusqu'en soirée samedi. C'est qu'à un certain moment donné, les leaders parlementaires ont convenu d'adopter certaines amendements en bloc. Ça s'est fait quand même assez rapidement. Ce que ça vient faire, c'est que Christian Dubé a entre les mains maintenant son projet de loi pour mettre en place Santé Québec. Ça veut dire quoi? C'est une nouvelle structure qui va s'occuper de la gestion des hôpitaux avec un PDG. Il va avoir un employeur unique. On va réduire le nombre de conventions collectives à 6, dont une pour les préposer aux bénéficiaires. Et là, le ministère de la Santé et le ministre de la Santé vont s'attaquer à trouver un président-directeur général pour Santé Québec. Eux, ils maintiennent que ça va améliorer le système de santé parce que ce sera beaucoup plus facile au niveau de la gestion, mais c'est lié, évidemment, avec le fait qu'on devra s'entendre avec les employés de l'État pour que tout le système fonctionne mieux. Ce n'est pas la première réforme qu'on fait dans le réseau de la santé, mais celle-là, elle est majeure. Le projet de loi, là, c'est un projet de loi mammouth, 1200 articles, et les oppositions auraient aimé en faire davantage. Pourquoi? Parce qu'au début, hier, il restait 650 articles à étudier qui ont une incidence sur la vie des Québécois. Il y en avait à peu près 80 qui étaient très importants, entre autres au niveau des médicaments. Là, ça a été adopté tel quel. Il faudra voir s'il y a des erreurs, s'il faudra faire des ajustements au cours des prochains mois. Au cours de la nuit, on a réussi à en améliorer seulement 10. C'est très peu. Voici ce qu'ont dit les oppositions à leur sortie à 6 h ce matin. Ce projet de loi-là, c'est le contraire du changement. Ça fait 25 ans qu'on privatise, qu'on centralise et qu'on bureaucratise le système de santé. Et ce projet de loi continue dans cette direction-là. C'est pire que pire. Et là, on vient de nous lancer par bâillon, nous imposer un mammouth qui va siphonner énormément d'énergie. Puis pendant ce temps-là, il ne réglera aucun des grands problèmes. Et surtout, il ne réglera pas celles et ceux qui sont dans les rues, dans la rue présentement, qui sont nos travailleurs, travailleuses, qui tiennent à bout de bras le système de santé. La loi qu'on vient d'adopter maintenant est définitivement imparfaite. Et ça, c'est troublant lorsqu'on est parlementaire et qu'on va faire un travail rigoureux. Qu'est-ce qu'il va faire, M. Dubé, la semaine prochaine? Il va se chercher un président-chef de la direction, il va se trouver un conseil d'administration, il ne va pas être en train de remettre en place sa cellule de crise dans les urgences, il ne va pas être en train de régler avec les travailleurs de la santé. Mais les énergies de M. Dubé vont être passées à la mauvaise place. Bon, Alain, comment réagit le ministre? On sait que c'est un projet phare entre Christian Dubé. Il nous en parle depuis longtemps. Oui, mais vous savez, Christian Dubé, ce qu'il dit, non, là, mes énergies, je vais pouvoir les mettre à la bonne place parce qu'il a trouvé ça très long, analyser ce projet de loi, 270 heures, 40, si on calcule hier, on a 45 séances où on a travaillé sur le projet de loi. Là, il faut mettre en place Santé Québec et ça ne va pas changer quelque chose demain matin, mais l'important, c'est de s'entendre avec les employés du réseau de la santé. Christian Dubé. J'avais dit il y a une semaine, on est capable de finir ça si vous venez 3 ou 4 jours de plus. Aujourd'hui, là, est un bel exemple que c'est ça qu'on aurait pu faire. Par contre, moi, je me suis assuré avec mon équipe qu'on a fait une double révision de ce qui nous restait à faire. Et je peux vous dire que le projet de loi qu'on a déposé, il est excellent et on a vraiment tout retourné, toutes les pierres. Alors, je suis très confortable avec ça. Bon, Simon, c'est fait. Le véritable jugement pour les Québécois se fera en 2026. Pourquoi 2026? C'est l'élection. Merci, Alain. Pas de quoi?